Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première bêta d'iOS 17 qui a été euh, dé, dévoilée, en tout cas hier, à la WWDC. Donc une mise à jour un petit peu spéciale. Euh, pour ceux qui connaissent la chaîne, bah, je suis très content de vous retrouver. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner puisque tout l'été, avant la sortie évidemment de la version finale de cette euh, version iOS 17, euh, bah, je ferai toutes les bêtas, toutes les nouveautés. Donc restez bien sur la chaîne et puis évidemment, on va approfondir tout ça au cours des semaine. On ne va pas traîner, on a énormément de nouveautés évidemment à voir. Euh, sachez que donc, cette mise à jour peut peser parfois moins de 3 gigas, parfois plus de 6 gigas. En gros, bon, c'est à peu près le poids de cette mise à jour. Le numéro de version se termine par un V, je n'ai jamais vu ça, enfin je ne m'en rappelle pas en tout cas. Euh, donc on est tranquille pendant quelques semaines, de toute façon il n'y aura pas de, de version finale avant septembre évidemment. Pour commencer cette vidéo, évidemment on commence par le nouveau fond d'écran, c'est celui-ci donc le fond d'écran officiel d'iOS 17. Et puis en bas à droite, un bouton sert de bascule euh, vers le mode sombre vers le mode clair vous allez pouvoir regarder euh, donc le nouveau fond d'écran Suivant le mode qui vous intéresse le plus. Dans l'application message, alors il y a eu énormément de changements avec iOS 16 dans l'application message. Euh, avec iOS 17, il y a encore quelques changements, notamment ce bouton plus qui se trouve en bas à gauche, euh, qui va permettre d'afficher l'ancienne barre en fait où vous retrouviez euh, toutes les rubriques que vous, que vous connaissez. Alors certaines rubriques ont changé, d'autres euh, bah, sont, sont les mêmes, et donc vous allez les activer depuis le bouton plus. Petit truc sympa, c'est cette rubrique autocollant. Alors il y a plein d'autocollants déjà prédéfinis. On va pouvoir les glisser, les redimensionner, les enfin, les bouger dans tous les sens et les mettre directement sur les bulles, mais surtout vous allez pouvoir importer depuis votre propre photothèque des photos et donc avec le, le détourage automatique qu'on connaît déjà depuis iOS 16, euh, bah vous allez avoir votre propre sticker. C'est assez sympa, ça se fait vraiment en, en un clin d'œil, en une seconde, c'est assez sympa. On peut également créer un autocollant depuis l'application photo, donc vous allez sur votre photo, et regardez, donc cette rubrique vous la connaissez, créer un autocollant, ajouter, voilà, ça ajoute l'autocollant, si vous voulez le supprimer, alors pour l'instant c'est pas traduit, mais il faut juste appuyer sur delete, c'est assez pratique. Alors il existe d'autres nouveautés dans, dans messages. Alors ici c'est pour répondre directement à un message en euh, switchant vers la droite. Euh, alors il y a d'autres nouveautés, hein, notamment la transcription euh, de, de vos cours en texte, mais euh, pour le moment donc je fais, je fais, je fais l'impasse là-dessus. Certes, ça ne fonctionne pas forcément bien. Alors il y a, il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres non. On, fera, on, on verra ça évidemment dans le détail euh, dans quelques semaines. On a également trois nouveaux stickers Memoji qui se trouvent juste ici. Ce sont les trois du milieu, voilà, donc pour iOS 17. Et puis pour terminer sur un message, hein. il, y a, il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est lorsque vous appuyez sur le plus, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle l'accompagnement et je l'ai trouvé vraiment sympa. En gros, euh, vous partez d'un point a vers un point B et euh, bah, en fait l'iPhone va vous suivre et va donner des indications de, de, de progression à, à la personne qui, qui vous attend ou en tout cas qui attend que vous soyez arrivé à ce point B euh, avec tout plein d'informations et s'il y a du retard, s'il y a au bout d'un moment, enfin, bon, il y a plein de trucs à lire, euh, vous allez, euh, donc euh, il va y avoir une notification, tout ça, c'est pas mal peut-être pour des parents pour être prévenu de, de l'arrivée des, des enfants, etc. Mais pas que... Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Petite nouveauté assez sympa hein, concernant euh, les airtags. Cette fois-ci, on a la possibilité de partager avec iOS 17 un airtag avec un tiers. Petite nouveauté, bienvenue concernant les widgets. Alors, concernant le widget musique, on va pouvoir maintenant euh, appuyer sur euh, un, ce bouton-ci voilà, pour le mettre en pause, mettre en lecture. Et puis, on va également pouvoir interagir avec le widget maison euh, directement avec les accessoires. On attendait ça avec impatience. Autre nouveauté très attendue, celle-ci, c'est la possibilité de transformer son iPhone en sorte de radio-réveil, en tout cas petit écran de contrôle. Donc pour la, la première fois, vous allez le paramétrer comme ceci. Il euh, faudra basculer donc en mode paysage votre téléphone faudra il faudra qu'il soit branché en charge. Ça fonctionne avec euh, tous les iPhones compatibles. Si vous avez euh, un iPhone 14 euh, Pro par exemple, vous allez pouvoir utiliser le always Display mais ça fonctionne évidemment avec les autres téléphones. Alors il se compose de trois catégories. Donc ici je suis sur la partie euh, euh, de, de l'heure, on switch de gauche à droite. Euh, si je vais dans la première catégorie, j'ai également des cadrans, mais également le calendrier qui se trouve juste à droite. Tout ça on peut le modifier, vous voyez, donc il euh, y a différents cadrans. Ici c'est la partie photo, pour vous en servir comme cadre photo. Et donc voilà les différents styles d'horloge. De, de, ah, très joli lui, j'aime beaucoup. A lui aussi pas mal. Ça franchement c'est assez sympa. Bref c'est une très bonne idée je trouve d'avoir fait ça. Euh, c'est sans doute d'ailleurs euh, ma nouveauté préférée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut également avoir accès à la musique. Donc c'est ce bouton là. Voilà, donc là je peux mettre en pause, revenir en arrière, etc. Bon bah c'est classique mais c'est vraiment pratique. Et si vous recevez une notification, vous allez voir cette notification avec un design un petit peu sympa. Bon bah franchement c'est un quasi sans faute. Hein. Ah, et puis il y a un petit point sur la personnalisation. Si j'appuie comme ceci, voilà, je vais accéder donc, à un menu qui va me permettre de modifier. Donc ici, j'ai toutes mes applications. Donc ça va de l'App Store à Bourse, à Calendrier, à l'application Maison, Musique, etc. Vous allez ajouter tout ce que vous voulez sur cet écran. Un petit mot maintenant concernant l'application Météo qui a quelques petites modifications, euh, notamment cette brique ici avec l'historique en fait, des températures depuis 1932. C'est ce que nous explique Apple. Et donc ici, on constate qu'à 27 degrés, on est en haut de la courbe, malgré une nuit euh, plutôt moyenne. Donc ici, on est vraiment en haut. On a euh, également euh, l'onglet précipitation, et là aussi, on est supérieur. Alors il y a eu beaucoup de précipitations. Précipitation, il, il y a un petit moment. Euh, donc là, ça se calme, il n'y en a plus. Euh, mais donc, bah, on est dans le temps à revenir dans la moyenne. Et puis un petit point sur les cycles lunaires. Donc en temps réel, on voit. C'est assez bien fait en plus. Hein, C'est assez joli. On voit donc où se trouve euh, la lune. Et puis donc, on, si on poursuit dans, dans le temps on va voir que bah, la lune sera cachée de cette manière nouveauté intéressante je... concernant plan cette fois ci on a la possibilité d'enregistrer des cartes donc si vous êtes hors ligne vous allez pouvoir consulter euh, ces cartes euh, donc ici vous allez adapter euh, vous choisissez l'endroit que vous voulez stocker en fait vous euh, modifiez avec le, le rectangle enfin ce qui vous intéresse et puis vous n'avez plus qu'à télécharger la carte que vous allez pouvoir consulter dans les réglages de musique, on a une nouvelle option euh, enfin euh, qui concerne la fondue enchaînée. On va pouvoir activer cette option, mais pour l'instant, lorsque je clique sur euh, les réglages dans musique, dans les réglages, bah, ça quitte. Ça sera peut-être pour une bêta 2. Concernant l'application photo, on en a parlé un petit peu hier euh, lors de la WWDC. La durée d'exposition au jour, donc bah, vous allez pouvoir euh, donc, gérer ça avec votre Apple Watch. Toujours dans l'application santé, le bien-être mental. Objectivement peut-être un gadget, en gros bah, vous allez indiquer à l'application comment vous vous sentez. Vous allez pousser donc le curseur ou non. Alors moi je vais très bien, iOS 17 est sorti, donc tout va bien. Et puis après vous validez, et après bon bah faudra suivre les étapes, hein. là ça va vous demander pourquoi en gros vous allez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette application, si c'est un truc que, que vous allez utiliser régulièrement, ou si c'est un truc que vous allez utiliser une fois, et je vais prendre bonheur, et puis après donc bah... On s'en sert plus, je pense que c'est plutôt ça. Je vous le disais tout à l'heure, il y a certains, certaines fonctionnalités qui ne fonctionnent pas forcément très bien alors en français ou même sur certains iPhones. Euh, alors concernant le journal, hein, c'est une sorte de, 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 de journal intime où vous allez pouvoir stocker pas mal de, pas mal de choses. Pour le moment, donc, ce n'est pas disponible avec iOS 17, ça sera... Peut-être dans une prochaine bêta. A propos de FaceTime, alors vous êtes en train de faire un appel, l'appel est soit rejeté ou soit la personne ne décroche pas. Vous allez avoir un message au bout d'un moment qui, qui va s'afficher, voilà c'est celui-ci. Soit recontacter ou soit laisser un message vidéo en fait à la personne. Ça aussi c'est pas mal. Dans l'application temps d'écran, on avait la possibilité de sécuriser les communications pour les enfants. On peut maintenant bah, se mettre exactement les mêmes limites à soi-même. Dans les réglages mot de passe et option de mot de passe, on a une nouvelle option qui fait son apparition, c'est la possibilité de supprimer les codes de vérification. Vous savez, ce sont ces codes que, que vous avez et qui sont utilisables une fois. Donc au bout d'un moment, c'est supprimé, donc ça fait un petit peu de place, pourquoi pas. Euh, donc ça marche aussi bien par mail que par message. Par défaut, cette option est décochée. Et puis on reste dans les mots de passe avec une nouvelle fonctionnalité que je trouve assez intéressante, la possibilité de partager un ou plusieurs mots de passe avec une personne. Donc ça peut être sympa par exemple de partager ces mots de passe, en tout cas ou certains, avec un conjoint, pourquoi pas. Je trouve que l'option est assez intéressante. Quelques nouveautés concernant airdrop, donc lorsque vous allez envoyer un message, vous allez voir comment vous apparaissez. Et puis la plus grosse nouveauté, hein, c'est que vous allez pouvoir, lorsque vous enregistrez, lorsque vous allez airdropper des fichiers un petit peu volumineux et que vous avez passé le temps, bah, ça va être uploadé directement sur internet et donc vous allez pouvoir les récupérer. Donc ça, ça viendra un petit peu plus tard. Autre nouveauté très intéressante, ça concerne Safari et euh, la gestion des profils. On va pouvoir créer donc des profils avec des couleurs, des, des, des icônes, etc. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir donc différents profils pour différentes situations, par exemple pour le travail, pour le les loisirs. Et là, vous allez avoir donc des extensions différentes, vous allez également avoir des signes différents. Franchement, ça, ça c'est cool et vous allez pouvoir switcher d'un profil à l'autre. Dans les réglages Safari, une nouvelle option fait son apparition. Ça concerne euh, la possibilité de déverrouiller. Une, une, une page privée dans Safari avec Face ID. En gros, vous êtes dans Safari, vous êtes sur une page privée, vous fermez Safari, et là, bah, lorsque vous allez réouvrir Safari sur cette page privée, ça va vous demander la, la, une, un déverrouillage par Face ID, pas mal pour la protection. Voilà, donc vous allez avoir cette demande-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça aussi, je trouve ça pas mal. Et puis une autre de, de mes nouveautés préférées, ça concerne l'application téléphone avec les affiches notamment. Euh, lorsque vous êtes dans, dans les contacts, vous allez pouvoir personnaliser les contacts lorsque vous allez recevoir un appel. Donc notamment avec le nom, vous allez pouvoir personnaliser ça, mais vous allez pouvoir également personnaliser l'affiche, voilà, avec différents filtres. Donc ça c'est classique, vous allez pouvoir modifier évidemment la couleur. Et lorsqu'on va vous appeler, bah vous allez avoir ce, cette présentation-là, vous allez même pouvoir en créer plusieurs. Ça marche avec tous les initiales, les photos, les mémojis. Bref, c'est assez cool. La possibilité donc de, de modifier les couleurs, c'est pas mal. Comme ça, ça tape dans l'œil directement. Enfin, moi, je trouve ça vraiment euh, bon. C'est pas, pas révolutionnaire, mais en tout cas, c'est vraiment indispensable. Après, pas mal de changements avec iOS 16 également. Euh, L'application podcast n'a pas vraiment beaucoup évolué avec euh, des boutons un petit peu différents. Ça, c'est ça, c'est bien fait, mais bon, fondamentalement, rien de neuf. Ça fait une dizaine de minutes que je parle. Alors, je voulais pas faire une vidéo trop longue, pas trop assommante, donc je vais écourter. Euh, on va quand même parlé de l'accessibilité avec notamment, bah, on en parlait depuis des mois puisque puisqu'Apple l'avait annoncé, c'est l'accès facile donc pour les personnes malvoyantes ou en tout cas pour ceux qui ont des difficultés. Regardez tout est bien gros avec des boutons qu'on va pouvoir paramétrer et euh, donc avec un code on peut ressortir etc. Donc c'est assez bien fait. Euh, on donc voilà, on en reparlera en tout cas dans une vidéo approfondie concernant l'accessibilité. Toujours à propos de l'accessibilité, il y a Loop qui a eu quelques petites modifications assez sympas, notamment la possibilité de lire du texte et de pointer ce texte afin d'être lu. Allez, petit test. Vidéo 100 Vidéo d'essai, la délicate des juges, les sans ont été, sable 2. Non, 6 mois après de Deluca dans l'ET, hey. mais le lien de saleté avec le drame n'a s'était retenu. Face à ce type, a fait. bas de gamme, notamment ce détecteur chinois, sans trop rapidement, avarié à l'heure, obsolescence logiciel. Comment éviter que son smartphone soit trop vite Donc vous l'avez compris depuis l'application Loupe, on va pouvoir soit utiliser l'application pour lire du texte tout simplement ou alors même le pointer, pointer un texte en particulier. Donc là ça va lire un endroit en particulier. Alors, y, y, je, je sais qu'il y a quelques années, il y avait une société israélienne qui avait fait des lunettes comme ça. Vous pointiez en fait euh, euh, pour les personnes malvoyantes ou non voyantes. Euh, vous pointiez euh, donc euh, le, le nom d'une rue et ça le disait. Et là, ça coûtait des milliers d'euros. Donc là, c'est intégré. Franchement, c'est une bonne chose. D'autres applications, notamment euh, chez Microsoft, il euh, y a une application qui s'appelle euh, Sign AI que j'utilise, euh, qui est très bien également. Mais là, bon, c'est intégré directement à la loupe. Je trouve ça vraiment très bien euh, pour euh, en, en matière, en tout cas, euh, d'accessibilité. Et puis toujours à propos de l'accessibilité, il y a la voix personnelle, vous allez enregistrer votre voix pendant 15 minutes et ça va donc vous allez pouvoir utiliser votre voix. Euh, alors pour l'instant j'ai fait quelques premiers tests, je me suis enregistré, j'ai enregistré une voix, enfin en tout cas une phrase, et la seconde, bah je, je plante, bon. Ça viendra peut-être pour une prochaine bêta. Pour l'instant, chez moi, en tout cas, ça ne semble pas euh, très fonctionnel. Pour ceux qui hésiteraient à passer euh, sur iOS 17, alors deux choses. Un, euh, c'est ce que je vous disais, ne l'installez pas sur votre téléphone principal. Deux, pensez que pour l'instant, la batterie n'est pas du tout optimisée. Donc, euh, vous allez perdre forcément pas mal de batterie. Et il y a encore beaucoup de bugs. Donc, je vous le déconseille en tout cas sur votre téléphone personnel. En attendant, restez bien sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, évidemment, il y aura d'autres vidéos sur iOS. Alors en plus des bêtages, j'approfondirai chaque nouveauté. Donc ça, ça sera dans, dans les prochaines semaines. Et puis je ferai sans doute un point sur euh, tvOS, OS, puis évidemment euh, WatchOS, MacOS, etc. avant leur sortie dans quelques mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis donc à très bientôt.